HMA les potes, on se donne rendez-vous tous les soirs du lundi 25 au dimanche 31 octobre avec cette vidéo accompagnée de Non et Sayoto sur notre aventure The Mimic du Roblox. Non fait également la même aventure sur sa chaîne, si vous voulez voir son point de vue, alors installez-vous bien, prenez à manger et à boire, et pour les plus courageux, je vous invite à mettre des écouteurs et le son à fond. Chema les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un jeu avec Sayoto. Hello. Ah, donc Sayoto me fait découvrir un jeu terrifiant sur Roblox. Je vous mettrai le lien dans la description pour les gens qui veulent y jouer. Donc c'est le premier chapitre. Mm-hmm. Et du coup, on a quoi? On a une lampe torche, c'est ça? Non, on a une barre de sprint. Je sais pas si tu vois, il y a un sprint, t'as une petite barre verte en bas. Ah d'accord, ouais c'est bon. Et il faudra l'économiser au mieux, parce que on peut se faire courser, quoi. Ok. Voilà, voilà. La question, c'est pourquoi? Par quoi? Par quelle chose? Alors, je te laisse passer devant, tu vois. Ah! Donc, vas-y. Pour entrer dans le bâtiment, c'est ça? Ouais. Faut trouver une entrée. Ok. Zidur Sims Locked. Ok, donc il faut utiliser une autre porte. Apparemment, celle-ci, elle est bloquée, elle est fermée, elle est verrouillée. Ils disent de passer par l'arrière, donc on va contourner, bien évidemment. Tu sais que tu fais peur avec ton truc arc-en-ciel, on dirait Chucky. Ah oui, c'est vrai. C'est maintenant que tu le dis, ouais. Là, ça veut dire quoi? Bon, là aussi, je suppose. Oh non. Quoi? Comment t'as fait pour l'ouvrir? Bah, il faut cliquer. Après vous, je suis poli. Vas-y, hein. Oui. Non, mais en général, quand il y a des traces de sang par terre, tu entres pas, quoi. Ah okay. Ouais. Ok, the key near the pool. Ok, à côté de la piscine, il y aurait les clés. Alors, Ah ouais, mais c'est un labyrinthe, le truc. Non. Parce que là, il y a une piste. Enfin, je fais comme tu veux. Moi, je visite. Petite pause pipi, tout ça. Ouais. Oups. Moi, je pars en mode Hulk. J'ai cru qu'il y avait un truc là, mais c'était un sac. Je suppose qu'il faut suivre les pas. Okay, putain, ça par contre, on est d'accord, il y a des gros pieds. Non, mais c'est le Bigfoot, ça. C'est le Yeti de la montagne. Hein. C'est ça. Ouais, je te le dis clairement, c'est un Yeti, le truc. Sur les pistes du Yeti. Oui, bien sûr. Suivez-les. Ok, c'est des sacs. Mais j'ai cru qu'il y avait du sang dessus, mais pas du tout. C'est des roses. Il y a un sac d'Awings. Un sac d'Awings. Alors, je suppose qu'il faut ouvrir la porte et le grand méchant il va nous dire bonjour. Non, toujours pas. Il n'a pas dit salut, t'inquiète. Quoi? Alors, la piscine devrait être à ma droite, forcément là où il y a les traces de sang. N'empêche, c'est bien fait quand même. On ouvre les deux portes. Voir. Bon, ça va, sur l'extérieur ça me fait un petit peu moins peur. Mais là, on a la piscine et il avait dit les clés à côté, mais on va suivre les traces de pas. C'est bon, c'est un peu mal poli de s'inviter chez quelqu'un sans lui dire bonjour. C'est ça. Nous, on s'incruste là, ça y est. Ah, alors. Il y a un souci là. Trace de pas, il s'arrête. Inspecteur Quinzel, voilà qui voilà. Inspecteur Quinzel, tatatatata. Ah, tu m'as fait peur au moment là où t'as dit qui voilà. Je dis, attends, qui? Ah si Quinzel. Gars, il y a encore des traces de pas qui. Vas-y, après vous. Alors, techniquement, on n'est pas censé rentrer. Ils avaient dit la clé, elle est à côté de la piscine, non? Ah, tu sais, on peut toujours visiter PC Gamer. Oh, il y a un chat. Oh, ça pue ici. Oh, tu sais, il y a le chat, il est en train de faire de l'œil. Oh my god, Shindeliu. Nuni. Il y a marqué, il y a des gens sur les posters. Oh, ça, mais le chat, par ouais, moi je croyais que tu me parlais du chat ici, là, le chat noir. Mais là, c'est clairement mon chat, ça, ces petits chats. Attends, il y a un truc écrit ici. Cherry blossoms bloom upon the arrival of the, je sais pas quoi, William. C'est Japan. Okay. Ouais. Made in Japan. Ok. Cherry blossoms, je crois que c'est les cerisiers, non? Et les cerisiers éclosent, enfin, ils fleurissent avant l'arrivée de... Voilà.
On sait pas. Bah, du Yeti, sûrement. Ok, suivons les traces de pas. Très cher ami. C'est l'abominable genre homme des neiges, là, tu vois. Ah, ouais. Ah, c'est le Yeti des montagnes. Mais attends, comment on l'appelle, le Yeti C'est le Bigfoot. Voilà, le Bigfoot. À la recherche du Bigfoot. Oh bon, attends, il y a un rituel satanique, là. Ah, il y a la clé. Alors, hop. Et j'ai la clé. Allez. Ça m'intéresse, là. Ça sent mauvais. Tu crois qu'il y a des cadavres là-dedans? Ouais. Franchement, il y a grand moyen. Il faut revenir à la salle de gym. Et on peut faire un petit tour dans la piscine ou pas? Non, on peut pas. Ouais, c'est vrai que le son, il donne grave une ambiance. T'as pas de son, c'est pas drôle. Oh, pour mon son, il est ultra fort dans mon casque, là. En général, je devrais le baisser parce que c'est ultra flippant. Ah, y a un screamer, je saute. Heureusement que j'ai pas la cam parce que waouh. La Quinta Aquatica. Aquatics. La Quinta Aquatics. Ah ouais, pourquoi il y a des plantes qui sont poussées sur le terrain? C'est chelou. Avec les petits néons là. Ah, il y a du sang au haut de sa tête, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. Oh. Il s'est ramassé une pierre dans la tête. Il a loupé la balle, il a voulu faire du baseball. C'est pas là. Alors, si c'est pas là, il y a une autre porte ici. Ah, il faut une clé. Ah, c'est bon, c'est celle-là. Ah, ok, regarde, tu vois, ça parlait de cerisier tout à l'heure. Yep, c'est le petit cerisier. Bonjour, enchanté. Attends, il y a un bruit chelou là. Il y a eu un bruit chelou là. Ah, oui. Non, mais c'est un cerisier maudit en fait. On va voir ça. Beautiful. But what walk, Sakura? What are you doing here? Du coup, ça. Je suppose, bah, du coup, que c'est le monstre. Je suppose aussi, mais en tout cas, il est pas très beau, quoi. Ouais, mais moi, ça me fait peur, il s'étire de ouf là, en fait. La meuf, elle a fait du yoga, quoi, toute sa vie. Mais ouais, en gros, sur le message, pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a marqué « C'est beau, mais pourquoi un cerisier se trouve ici ?» Je sais pas, il fait sa life, il a poussé, la nature a repris le dessus. Ça. Ah, c'était ouvert, je m'attendais à que ce soit fermé, moi. Alors. C'est marqué. Attends. Écoute. On dirait qu'il y a quelqu'un qui pleure dans les toilettes. C'est la fille dans Poudlard. Comment elle s'appelle? Celle qui pleure dans les chiottes. La pleurnicharde. Dis-nous en commentaire. Si vous savez comment elle s'appelle, je sais plus. Je crois que c'est Mimi Géniard, non? Un truc, je sais plus. La meuf qui pleure dans les toilettes dans le film Harry Potter. En tout cas, she likes to mimic them be cautious. Donc en gros, elle aime bien quoi? Mimic, c'est faire des mimiques, non? Fais attention, ne te laisse pas décevoir. Je sais pas, trop tard, back now before it's too late. Ça veut dire retourne-toi. Reviens sur tes pas avant que ce soit trop tard. Et en gros, faut lui ouvrir, quoi. Attends. T'entends? Bah ouais. Vas-y, viens, on rentre. T'es prête? 1, 2, 3. I must be hearing things. Ah, faut entrer. Ouais, je suis rentré. Je t'ai prévenu. On passe à travers la porte. C'est comme, ouais, moi, j'ai essayé de cliquer dessus, tu sais, pour l'ouvrir. En fait, on est mort, on est des fantômes, on traverse les portes. Allez, viens, on va dans la porte d'à côté. Et ça veut dire quoi? Ah, he warned you? Ça veut dire je t'ai prévenu. Je t'aurais prévenu en gros. Triste, hein. J'ai envie de dire. Triste vie. T'es bête. Ah, condamné, ok. Ah, il y a une porte. Un couloir. Alors, en général, les couloirs, c'est pas bon signe. Arrête de rigoler, ça me fait peur maintenant. Il y a eu un truc. T'as pas entendu? J'ai entendu, mais j'ai rien eu. Non, j'ai rien vu non plus, mais le bruit m'a fait peur. Et de l'autre côté, c'est ouvert aussi? Ouais. Alors. On va par où? À droite ou gauche? Droite? Là, il y a une classe ouverte. I should invent this room for a key. Ok, je devrais regarder cette pièce pour retrouver une clé. Donc là, il y a une clé, forcément. Oh! Casse-toi, meuf!
On n'est pas censé se barrer. Crois en toi, il y a marqué. Ouais, ouais, t'inquiète. Oh putain. Ah, moi, je crois en moi, t'inquiète. Oh, tu regardes le mur. Oh ah, je sais pas. Elle a disparu. Okay. Ouah, le son. Putain. Alors, Dream, Believe, Achieve. Et là, il y a marqué Nobody Perfect, that's why pencils have eraser. Ok, personne n'est parfait, c'est pour ça que les. Que les stylos ont une gomme, enfin que les crayons ont une gomme. Et là, par contre, le dessin au milieu, très sympathique. Moi, je trouve l'enfant qu'il a dessiné, vraiment, il est très artistique. Il a dessiné un petit bonhomme mort et il a écrit mort en bas, die. Il était en dépression. Beaucoup. Il boivait de la Monster, je crois. c'est bon pour moi. Attends, c'est pas la clé d'ici, non? C'est pas celle-là? Ok, ouais, non. Ok, on va de l'autre côté. Alors, hop. On se fait bousculer par les portes maintenant, il n'y a plus rien qui va. Il y a un piano. Putain. Oh putain, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui joue maintenant dessus. Oh non, il y a un trou. Il y a marqué quoi un ici trou. Hey, si tu lis ça, je sais pas combien de temps t'es resté en contact avec elle avant de partir, un bail comme ça. Out there and whatever you don't go. Donc, en gros, ils nous disent de pas y aller quoi. Qu'est-ce qu'on va faire nous à tous? En gros, ils mettent une feuille pour pas y aller. Mais. Bon, on va clairement y aller. Hein. Fuck that shit, comme on dit. Hein. Oh fucking shit. Ah, oui, j'avais oublié. Ah merde, oui, bah j'ai ouvert. T'inquiète. Allez, vas-y, go. Attends, pourquoi il y a un mur noir là? C'est quoi? C'est un ascenseur? C'est le téléporteur. Oh. J'ai pas signé pour ça, moi. Alors. Nous, on va y aller d'ici, du coup, et il faut aller tout droit. Vers la lumière. Bon, en général, quand il y a un tunnel et il y a de la lumière, il vaut mieux peut-être pas y aller quand même, non? Bah, tu veux faire demi-tour? On peut pas. Super. On va aller vers Zobardi. Zobardi. Allez, courage. Ça se fait, on est dans des égouts et on est en train de marcher dans du caca. J'essaie de remarquer. Oh putain, mes choses. Tu sais, nous on fait pas attention au truc qui est au fond, nous on fait attention à nos sites vestimentaires, attention. Ah, vas-y, on va devant, t'inquiète. Hein. Hey, vas-y, prends mon photo aussi pour mon Instagram. Oh là, vas-y. Il y a une meuf qui pleure. Tu sais, elle est devant, c'est le truc là, devant là. Ouais. Je parie, elle va nous courser, non? Genre, et on va devoir se retourner. Je crois qu'elle est en dépression, elle aussi. Hein. Ouais. Vous voulez une canette Monster, madame? Vous voulez du Xanax? Ah, elle a pas l'air contente. Hein. Enfin, je vais... Oh ah. Elle a disparu, elle est où? Je sais pas. Bah écoute, elle a l'air d'aller mieux en tout cas. Ouais, elle pleure plus. C'est le Xanax que tu lui as donné. Ah ouais. Petit remontant. Au cas où, pour les gens qui ne savent pas, un Xanax, c'est un antidépresseur, d'accord? N'en prenez pas, les amis. C'est uniquement sous ordonnance, d'accord? Vas-y. Ok, ça, c'est une ville japonaise. Japan. En général, les films d'horreur japonais, c'est les pires. Oh, il y a Hello Kitty. Ouais, c'est japonais, ouais, Hello Kitty. Oh, c'est mignon. Une petite ref. Ah, il y a un manga store, enfin, un book, plutôt. Store, pas mal, pas mal. En tout cas, les décors sont hyper bien. Le jeu est vraiment ouf, en vrai. Il est bien poussé et tout. Bon, malheureusement, je suis pas japonais, je peux pas lire ça. Ouais. Il y a exactement le même bookstore. Ouais. Ils ont voulu faire la même chose, c'est ouais. Des concurrents. Ouais, la concurrence. Bien. Ah oh putain! Merde! Mais. Wesh! Oh putain, je tremble! Oui! Hey! C'est pas possible ça! Ah, dites-moi en commentaire si vous avez mis la vidéo à fond. Franchement, si vous avez pas mis la vidéo à fond, vous êtes des fragiles, d'accord? Donc mettez la vidéo à fond maintenant, là, tout de suite! Faut une clé ou. Non. Tu vois là-haut? Ouais, y a un labyrinthe. Ok, en transe. Donc en gros, on va là-haut, droite.
En haut, gauche, Je sais. droite, Sens gauche, de l'orient. droite. Est-ce que tu fais tu genre tu fais confiance à mon sens dans l'orientation? Pas du tout, mais vas-y. Vas-y, go. Ça peut pas être pire que le mien en vrai. Find the key. Ah bah faut trouver les Déjà, on clés va dans tous trouver les la cas. clé. Ouais. Vas-y, faut que tu cours par contre, hein. Oh là là, je Allez, regarde allez, pas. allez, Je suis sûr que 15L. je. Vas-y, vas-y, 15L. Là. Ok. Je crois que j'ai trouvé, c'est bon. Ben oui, je l'ai trouvé, évidemment. Sens de l'orientation. Man. Bon, maintenant, faut trouver la sortie. Il faut que tu te dises une chose, c'est que si tu te fais scrimer ou si je me fais scrimer, on n'a plus la clé. Par contre, si un de nous deux arrive à trouver la sortie, on se fait tous les téléporter tous les deux, même si t'es au tout début. Ok, c'est bon à Ok? savoir. Ok, bonne chance. Attends, quoi, ça veut dire qu'en gros, démerde-toi. Non, Putain, tu m'as fait peur, wesh! Attends, tu viens d'où? Je sais pas, Attends, t'es où? je vais n'importe où. Attends, 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 Je suis là. viens, viens, attends. Je Non, crois que c'est j'ai pas des là, il y a un repérages. cul-de-sac. Il y a un cul-de-sac. Ok, non, c'est pas ici. Je Donc, crois que j'ai des si. repérages, ouais. Tu disais, hein? Alors, c'est par ici. Alors, attends, je suis sûr que c'est par là. Si elle arrive, on fait un demi-tour. D'accord? Ok, bah c'est là, je pense. Ok, là c'est bon. Là, je me souviens. C'est exactement le cul-de-sac qu'il faut. Là, je sais me repérer. Ok, normalement, si tu me suis, la sortie, elle est là. Demi-tour. Non, tu vas dans le cul-de-sac. Tu vas dans le Oui, mais cul-de-sac. va. C'est. C'est genre. Comment ça s'appelle? C'est une zone safe en fait, les cul-de-sac. Ah Je sais pas si t'as bah vu. non, j'ai pas vu. Putain, t'es parti Je vais essayer de revenir. Je vais sûrement la croiser en chemin. Alors, je vais essayer de te dire où est les verrous. Elle est vers moi. Putain! T'es morte! T'es morte devant moi! Non! Oh, je me suis chié dessus. Oh. Oh. Allez, je reviens, je reviens. Allez, bonhomme. Je pensais pouvoir y arriver avant qu'elle me touche, mais elle marche vite, cette chouin. Allez là, allez là, demi-tour. Putain. Donc ça c'est une zone safe si tu préfères. Ok, c'est bon à savoir. Genre tous les cul-de-sac. Ah, attends, elle va Ah, mais elle nous passer. campe cette chouin ou quoi? Mais elle nous campe, wesh. Elle campe. Elle fait comme sur Call of Duty. Allez, je crois. Ouais, c'est droite. Là, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. Je cours, je cours, je cours, je cours. Il faut Elle est tourner à derrière nous! gauche. Gauche, 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 gauche. C'est ici, c'est la sortie. Ouais, j'avais raison du coup. Et on se Vite! barre, on Oh! dégage. Oh! Mais bonne Oh, journée. allez! Oh! Par contre, t'as pas eu de chance, tu t'es mangé le screamer. Ah, au moins 15 fois, MDR! Ok, bon, bah, je suppose qu'il faut qu'on suive ce petit chemin de randonnée, très beau, avec ses petits Lucioles. luminaires et ses petites lucioles, très beau, j'aime bien, très japonais. On ne croirait plus qu'il y a un mec des animés manga qui sort et qu'il déclare sa flamme, comme dans les mangas. En haut Il va tu vois, faire du Sasageyo. chemin. Et puis si on s'approche, elle se déchaîne là sur sa Ah, musique. tu parlais d'instruments tout à l'heure. Ouais. Ah, bah je voulais Elle est écouter sa partie dans le néant. musique. J'ai même pas eu le temps de découvrir sa musique. C'est pas. Elle est C'est pas partie très à chaleureux, hein. Tataoui. Tu sais, elle est Ah, mais je partie à crois que c'était pas Tataoui, elle, la hein. meuf. Je crois que c'était pas elle, Non. ça. Il faut Ça, parler au c'est. fermier. Bonjour, mon très cher monsieur. Enfin, alors, on va lui Juste. parler. On en parle qu'il a un cône de glace sur la tête. J'avoue. On est d'accord, c'est les textures d'un cône. Ouais, clairement, ouais. Ou un Solomon que dans Dofus. Sais, ils l'ont aplati le truc pour en faire un chapeau chinois, putain. Alors, qu'est-ce Alors, qu'ils nous disent, il nous ça? dit, je ne vous ai jamais vu ici avant. Faites attention ici. Mon frère est allé récemment en ville et il n'est jamais revenu. Je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir rester ici. Elle doit sûrement être en train de nous regarder, comme je le dis. Si vous avez vu une femme jouer du bihu, c'est déjà trop tard. Bah, je suppose que le bihu, ça doit être le truc qu'on a entendu tout à l'heure, hein, je pense, hein. Je suis Oui, pas sûre, c'est le mais. truc qu'on devait pas faire. Ouais. Faites pas les choses, nous on les fait, t'inquiète. J'ai quelque chose en haut que vous allez peut-être avoir besoin plus tard. Ok, donc on va voir ce qu'il y a en haut. Okay.
pourrait nous servir plus tard. Oh. Ah, ouf, une clé. Est-ce que ça nous étonne? Est-ce qu'on est étonné? On va faire une chasse au trésor là, c'est parti. Ah putain, je t'avais perdu, j'ai eu trop peur. T'es arrivé, t'es de Slenderman là? À moins que tu veux visiter avant de partir, je sais pas. Non. Des maisons copiées. Non, je. Pas envie. On met sur un screamer. Okay. Alors, okay, on a le chemin de. Alors, attends, je peux faire le prêtre. Vas-y. Alors, on a le chemin de la rigueur et de la douleur. Et à gauche, on a le chemin de la noblesse. Et le plus long et le plus compliqué, mais il n'y a pas de souffrance là-bas. Moi, je propose. Bon, j'ai dit ça au pif. Hein. Puisqu'on est extrêmement noble. Bah prendre le côté droit quoi, tout simplement, celui de la douleur. Allez, c'est parti. Ça c'est, nous convient on tellement, en a rien à foutre de crever. Attends, il y a quand même un truc par terre là, je sais pas si t'as remarqué, une sorte de statue de femme, on dirait Predator. Tu sais que j'ai cru que c'était un bout de bois le truc, je sais pas si c'est si normal. Et une maison quand même, dans la grotte, tout va bien, c'est tout à fait tu normal. Tu connais les anges pleureurs? Ça oh, fait non. penser aux anges pleureurs, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est genre des personnes que tu regardes et ils bougent plus et quand tu te retournes ils bougent. Ah pff, oh non. Bah, ça en fait quand même beaucoup là. Hein. Putain, il m'a fait peur. Oh, regarde devant, il y a quelqu'un.